Bonjour, je m'appelle Selma, je suis programme manager senior chez Aigo depuis janvier 2018. Donc chez Aigo, on a deux métiers principaux, les programme managers et les designers. Moi, en tant que programme manager, je vais avoir en spécificité la gestion d'une mission client. Mon objectif sur toutes les missions, ça va être de m'assurer de leur réussite, de faire un peu le chef d'orchestre entre les équipes clients, les équipes Aigo, aussi de manager les équipes Aigo. Et je travaille évidemment en équipe toujours pluridisciplinaire sur toutes les missions avec les Aigonautes qui sont designers. Il y a plein de choses qu'on fait main dans la main, notamment toutes les étapes de la méthodologie, on les co-construit entre programme manager et designer. Et puis les designers ont aussi bien sûr leurs spécificités, notamment les capacités de produire des écrans et des interfaces pour nos clients. Donc moi, chez Aigo, j'ai un peu l'impression d'avoir fait plusieurs métiers. J'ai bossé sur des missions de design d'espace, design d'organisation, d'expérience collaborateur, notamment le siège social d'Orange, mais aussi les locaux des équipes digitales et IT d'Air Liquide. Et puis là, je suis sur des missions hyper digitales et tech. En ce moment, j'accompagne AXA sur leur design système. Au milieu de tout ça, j'ai eu un enfant et quand je suis revenue de congé mat, j'ai eu envie d'aider les entreprises à créer plus facilement leur politique parentale. J'ai co-créé le Parental Challenge avec trois personnes qui ne sont pas d'Aigo. C'est un guide et une charte à destination des entreprises. Et en fait, sans Aigo, c'est simple, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Aigo m'a donné le temps de faire ce projet, mais aussi le temps à d'autres Aigonautes, notamment des designers, qui ont designé notre site, qui ont designé le guide. Et c'est un projet qui me tient hyper à cœur, qui a déjà pas mal d'impact, puisqu'on a 100 entreprises signataires, dont Welcome to the Jungle fait partie, et on est ravis. Et plus de 11 000 salariés qui ont vu leurs conditions de travail améliorer grâce à ça.